Coucou. J'ai eu une discussion ce matin avec quelqu'un qui m'a dit, et j'entends ça très souvent, oui, ben, je dois apprendre à mettre les limites. Et si tu as reçu mon cours gratuit, mon mini cours gratuit, je vais mettre le lien où tu peux le trouver, je t'ai appris une manière de virtuellement mettre une limite. Et ça aide déjà énormément. Mais en réalité, comment ça fonctionne, cette histoire de savoir mettre tes limites. Qu'est-ce que c'est cette histoire de limites et comment est-ce que tu le fais? La plupart des femmes ont vraiment un problème avec ça parce qu'elles ont l'impression de repousser les autres, de rejeter les autres et surtout, surtout, le fin fond de ce problème-là vient de la valeur que tu t'octroies à toi-même. Quelle est cette puissance à l'intérieur et cette valeur que tu as de pouvoir dire non? De pouvoir dire ça ne correspond pas à mes valeurs. Et mes valeurs ont une valeur pour moi. Et mes valeurs ont une valeur dans mon monde et dans le monde, tout simplement. Et cette valeur que tu t'octroies et cette confiance que tu as dans ta valeur et dans ce que tu es, dans vraiment le poids que tu fais dans le monde, quand tu n'as pas ça, eh ben, tu ne peux pas non plus mettre vraiment une limite. Ça va paraître pas naturel. Tu sais, c'est comme ces parents qui disent non à leurs enfants ou ces propriétaires de chiens qui disent non à leur chien et ils doivent le répéter une dizaine de fois. Et bon, bah là, je parle d'expérience parce que j'avais vraiment des problèmes, surtout au niveau affectif, de dire non. Et ça vient au fin fond de toi-même du fait que tu ne connais pas ta valeur, tu n'es pas en contact avec ta valeur. Donc pour moi, le premier travail à faire, le tout premier, c'est de reconnaître, de sentir cette valeur que tu as. Ce droit à l'existence, le droit à ta vérité, à toi. Et comment est-ce qu'on travaille sur ça? Est-ce que toi, tu as une idée? Comment tu peux travailler sur ta propre valeur? Qu'est-ce que toi, tu fais dans ta vie pour te réapproprier cette valeur? Parce qu'on peut attendre que les autres vont nous dire ce qu'on vaut. Mais aussi, il y a une autre manière de faire. Donc, toi, tu fais quoi? Ça m'intéresse. Et je vais en parler prochainement ici sur la page, sur ces sujets de comment mettre les limites, comment avoir la confiance en soi, comment reconnaître sa valeur, comment se réapproprier cela. Et des thèmes comme ça. Si ça t'intéresse, mets-moi un commentaire, même des thèmes qui tournent un peu autour de cette thématique. Si tu me mets un commentaire, je vais pouvoir te donner des petits trucs, des mouvements, des manières de penser, des manières de voir la vie autrement, de te voir toi autrement. Et c'est ça qu'on veut. Bon samedi.